Regarde. Tu es en train d'aller vers le mariage. Jeune fille, tu sais que l'homme n'est pas ton mari. Tu le sais bien. Mais parce que tu dis qu'il a une position, tu n'as pas vu des gens avec position assassiner leur femme? Tu n'as pas entendu ça au Burkina? Tu n'as pas vu des gens avec des positions de l'argent? La femme est devenue comme un animal entre leurs mains. Dieu t'a parlé de plusieurs manières. Tu n'es même pas arrivé au niveau même de bon disciple. Non, 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 tu veux te marier coûte que coûte. On ne se marie pas coûte que coûte. Tu vas gâcher ta fille. Donc nous continuons. Ils vont prendre, souvent même quand les gens sont comme ça, il faut prendre la cassette et remettre pour qu'ils puissent suivre. Alors, puisque Abraham doit devenir l'ami de Dieu, et toi et moi, nous devons prendre ce chemin de l'amitié. L'amitié s'entretient et se cultive. Donc, quand on parle de ça, c'est comme si tu n'aimes pas chrétien. C'est comme si tu n'aimes pas chrétien. Parce que ton chrétien, là, c'est prier, jeûner, il y a des problèmes familiaux, tant, tant, tant. Tu n'as pas pris le chemin de l'amitié encore. Tu n'as pas pris le chemin de l'amitié. Tu es préoccupé. C'est qu'on doit avoir les bénédictions. Est-ce qu'on peut être ami de Dieu? Est-ce qu'un homme comme moi peut être ami de Dieu? Mais si on n'est pas ami de Dieu, on a échoué sur toute la ligne. Donc tu vois, donc, ça se cultive, ça s'entretient et tout. Donc, l'amitié de Dieu se cultive. Et c'est pourquoi, quand tu lis dans... Josué 24, versets 2 et 3. Abraham a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Il dit, l'autre côté, ils habitaient anciennement l'autre côté. La suite du verset dit quoi? Du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Ça, on parle de la famille d'Abraham. Ils servaient d'autres dieux. Alors, je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité et je lui donnais Isaac. Comprends mon frère. Mais ce n'était pas à lui d'aller à Canaan. C'était son père Terah que Dieu avait envoyé. C'était Terah que Dieu avait envoyé. Mais quand Terah est parti, l'autre obstacle là, c'est quand Terah est arrivé dans un endroit appelé Charan. Ça, c'est un autre obstacle encore. Il peut te nuire. Sur le chemin de l'amitié de Dieu, l'ennemi va te proposer des étapes qui semblent être des étapes fructueuse. Quand Terah est arrivé avec sa famille à Charan, tu peux lire ça dans les derniers versets de Genèse 11, c'est pas la peine, on ne va pas le lire. Alors, il est dit que Terah mourut à Charan. Pourquoi? Charan veut dire petit succès, petit fruit, un succès mitigé et tout. Beaucoup de chrétiens aiment Charan. Ils ne veulent pas aller à Canaan parce que c'est un peu difficile. Alors, ils arrivent à Charan, ils ont quelques bénédictions matérielles, ils ont quelques positions, et puis ils disent que Dieu m'a béni, et ils proclament partout Dieu m'a béni. Alors, si la bénédiction de Dieu est suivi de chagrin. Et toi, tu dis que la bénédiction dans laquelle tu es là, il y a tellement de chagrin là-dedans. Tu dis que Dieu t'a béni, c'est que tu n'as pas compris la vie chrétienne. Le chemin de l'amitié de Dieu est un chemin où il y a des tentations. C'est un chemin où il y a des obstacles. C'est un chemin où Dieu lui-même te teste.
Il faut savoir discerner, comprendre tout ce que tu vis là, les difficultés que tu as là. Ne mets pas ça sur Satan rapidement, parce qu'il va rire à gorge déployée. Non, mon ami, il y a des tests. Ils sont là, tu sais toi-même, c'est un obstacle pour éprouver ton caractère, pour éprouver ta consécration, pour éprouver donc ton abandon à Dieu. Ton abandon à Dieu. Il est important de comprendre cela. Et si tu comprends ces choses-là, quand Abraham est revenu donc de l'Égypte, et autre chose, son parent Lot, qui est devenu aussi enrichi, son parent Lot c'est qui? Lot c'est la chair dans ta vie. Et toi donc tu marches selon l'esprit. Mais ta chair va réclamer, va faire querelle, comme Galate le dit. Et c'est important que tu comprennes. En Genèse 13, par exemple, du verset 1 jusqu'au verset 13, on voit que Lot était avec lui et Abraham a été béni. Il était riche en troupeaux, en argent et en or. Regarde, Lot, on ne sait pas où il a eu son argent. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où, il est, où était l'hôtel qu'il avait précédemment bâti, quoi. Et là encore, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. La suite dit quoi? Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. On ne peut pas dire où Lot a eu ça. Quand il partait, Lot suivait son oncle Abraham. Quand ils reviennent, Abraham est riche, Lot est riche. Pourquoi Lot est devenu riche? Pourquoi ta chair devient riche et s'oppose à ton esprit? Pourquoi il y a la lutte entre ta chair et ton esprit? Parce que tu n'es pas dans le pays de la promesse. Tu es en Égypte. Et les compromis de l'Égypte vont faire grossir ta chair rapidement. Les compromis de l'Égypte vont t'élever et tu vas croire que tu es béni. Sinon, Lot n'a rien fait pour être riche. Lot, c'est la chair. Et la chair s'enrichit vite, spirituellement, moralement et tout. Parce que la chair fait des compromis. Alors, donc, dans la vie d'Abraham, il y avait l'esprit, donc il y avait la chair. Et on voit les deux ensemble. Ah, ça ne peut pas marcher. Avant d'aller en Égypte, la chair était contrôlée. Avant d'aller en Égypte, la chair était méprisée. La chair, ce sont nos désirs. Ce sont nos pensées personnelles. Ce sont vraiment nos envies. C'est notre, disons, notre orgueil, notre positionnement. On se compare aux autres. C'est ça la chair. C'est pourquoi on dit dans Galates 5, verset 19, il dit, voici, tu vois, lire là-bas la chair. C'est ça qui représente Lot. Pourquoi? Parce que Abraham était au mauvais endroit. Et parfois, les gens sont au mauvais endroit. Ils viennent, ah, Dieu m'a béni parce que ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Non. Non, mon ami. Non, mon frère. Attends, tu vas voir comment on va te rouler dans quelques mois. Tu vas sortir de ça complètement déçu, découragé. Donc c'est pourquoi c'est important que tu comprennes. Donc tu vois, il y aura bagarre entre les gens de Lot et d'Abraham. Sur le chemin de l'amitié, il faut prendre des décisions. Et si tu ne prends pas des décisions, ça va te créer problème. Quand Abraham a vu ça,
qu'il y avait des problèmes entre les bergers de Lot et ses propres bergers, il appela Lot. Tu dois parler à ta chair. Ah oui, tu dois parler à ta chair. Tu dois ordonner à ta chair ce qu'elle doit faire. Il appela Lot et va lui parler. La séparation est obligatoire. Tu ne peux pas continuer à vivre dans ce compromis et puis être ami de Dieu. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Oui, la chair et l'esprit sont frères, mais si la chair domine l'esprit, la fraternité est terminée. Tant que la chair est contrôlée par l'esprit, tu es un chrétien équilibré. Mais si c'est la chair qui prend la première place, tu vas comprendre ce qu'elle va te faire. Alors, comme Abraham a compris, il ne peut pas contrôler l'autre là, il a préféré une solution radicale. Il y a des solutions radicales que nous devons prendre. Et une solution radicale que Jésus a donnée pour montrer aux gens, dit, mais si c'est ton bras droit qui t'empêche d'être avec Dieu, il faut couper le bras. Ce n'est pas physiquement de le faire. Si quelqu'un est ton bras droit et que c'est lui qui te crée des problèmes et tu vois qu'il n'est pas honnête, il n'est pas loyal, la Bible dit, sépare-toi de lui. On ne marche pas avec des gens déloyaux. On ne marche pas avec des gens hypocrites. On ne marche pas avec des gens qui font des compromis qui peuvent nuire à ta vie ou à ton travail ou à ton ministère. Il ne faut pas jouer avec ça. Quiconque a été repris une fois, deux fois, trois fois et qui ne veut pas changer, il faut s'en séparer. La déloyauté ne prévaut pas dans le ministère. Non, mon ami, il n'y a pas de pitié pour ça. Parce qu'il veut gâter l'œuvre de Dieu, on s'en sépare. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, je parle encore, que tu comprennes. On n'est pas en parti politique, on n'est pas en syndicat, nous sommes dans le royaume des cieux. Et c'est important que tu comprennes. Si tu marches dans ça, va de l'avant. Tu vois, donc, Lot a regardé la plaine de Sodome et Gomorre. Lot est parti. Regarde ce que la chair fait. Quand Lot est parti, il s'est installé dans les plaines de Sodome et Gomorre. Donc, loin de la ville de Gomorre. Loin de la ville de Gomorre. Si tu lis plus tard dans un autre endroit, et Lot n'est plus dans les plaines. Il est venu à la porte. À la porte de Sodome et Gomorre. La chair ne peut pas faire autre chose que des compromis. La chair, si tu la laisses dominer, elle va t'amener des problèmes terribles. Maintenant, Lot est à la porte de Sodome. Maintenant, quand, troisième élément, même que l'esprit grandit, et même aussi la chair grandit en mal. Troisième étape de la chair, c'est que Lot se tient maintenant au milieu de la ville. Lot, c'est ça, de la ville. Et il est considéré dans le collège des anciens. Et au collège des anciens, on appelle Lot le juste. Il passait son temps à tourmenter son âme à cause du mal qu'il voyait. Il ne prenait aucune responsabilité. Il ne parlait pas aux anciens de Sodome et Gomorre. Parce que cette place-là était bien. On l'honorait, on l'élevait. Il y a des gens qui veulent ça. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans la déloyauté. Mais ils aiment les gens qui viennent leur dire, « Ah, toi là, tu souffres, hein? J'ai vu depuis quelque temps,
on ne te fait pas ceci, on ne te donne pas ça, on ne te donne pas ça. Toi, un homme intelligent, quelqu'un vient te flatter, on ne te donne pas ça, on ne te donne pas ceci, et tu crois à ça. Toi-même, tu sais bien que ce n'est pas ça. Donc, c'est ça. Donc, tu vois, l'autre était dans les plaines, à la porte, et dans la ville, parmi les anciens. Mais en tant qu'ancien, il tourmentait son âme. Chaque jour, il ne peut pas parler. Les avantages qu'il a de cette position d'ancien-là sont très grands. Quels sont les avantages que le monde a donné et qui te bloque aujourd'hui? Quelles sont les soi-disant bénédictions là où tu es, dans ton travail, qu'on te donne et qu'on va... Tu sais bien, toute chose, tôt ou tard, sera révélée. Et toute chose que tu fais en secret, quoi, si tu ne te réponds pas, sera révélée. Quand c'est révélé, il n'y a plus de pitié. Pourquoi tu dis ça, c'est là? Il n'y a pas de pardon. Le fameux pardon des chrétiens là, il ne faut pas en tenir compte. Il dit pardon pour faire plus encore. Non, le pardon, c'est se séparer totalement et prendre la décision de ne plus aller là-bas. Par l'aide de Dieu. Par l'aide de Dieu. Je parle des relations, de la communion. Nous sommes dans l'esprit de communion. Ne pas communier avec quelqu'un tout le temps en train de mettre des bâtons dans les roues des gens. Non, mon ami. Non, mon frère. Tu comprends? C'est des choses importantes. C'est pourquoi Paul était rigoureux. Il dit, bon, si tu ne veux pas, parle là-bas. Il dit, bon, Barnabas, toi et moi, on a commencé. Et ton parent, Silas, là. À quoi? Jean-Marc, c'est pas toi. Barnabas a dit non, c'est mon neveu. Il dit ah non, dans le travail, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de frères et sœurs. C'est ma nièce, c'est mon neveu, il n'y a pas ça. Dans le travail là, c'est ce que Dieu a dit. Ils sont séparés. Paul est parti, il a pris Silas. Barnabas a pris Marc. Mais plusieurs années plus tard, quand Marc s'est amélioré, Marc s'est repenti, et tu vois, c'est passé, alors Paul dit de revenir. Il revient. Ça, c'est important. Le chemin de l'amitié de Dieu est parsemé par tant de choses. Donc, il faut que vous compreniez ça. C'est pourquoi je traite ça assez doucement que tu comprennes. Il faut que ça rentre en toi. Ah, mais tu ne peux pas tout le temps avoir ça, ça va te donner quoi? Ça, c'est l'accumulation de capital. Tu vas te donner quoi? Non, tu n'es pas en relation avec Dieu. Tu n'es pas en amitié avec Dieu. Toi, tu es tout le temps opposé à Dieu. Et Dieu te donne des bénédictions. Ça te sert à quoi? À rien. Donc tu vois, quand la destruction est venue, ce n'est pas tombé sur Abraham, hein? C'est tombé sur Lot. Donc tu vois, il a fait tellement de compromis pour l'arracher, pour le sauver. Il a fallu que les anges viennent le tirer par la force. Et là où tu es aujourd'hui, pour aller sur le chemin de l'amitié, tu es obligé de permettre des épreuves pour venir dans ta vie, pour que tu reconnaisses. Là, tu accueilles les sorciers, tu accueilles les gens. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui a l'œuvre dans ta vie. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui veut te ramener à lui. Et non. Malheureusement, certains aussi ont des femmes qui les poussent dans ça. Dommage, hein? Une femme doit dire à son mari la vérité. Il dit, assois-toi ici, là. Tu veux nous amener où? Dis-moi où tu veux nous amener. Ta manière de vivre, là. Ta manière de faire, là. Où tu veux nous amener? Ah, il faut te repentir, hein? Non. On persécute mon mari, on persécute mon oncle, on persécute mon cousin. Ok, c'est ça la persécution, c'est que tu n'as pas compris la vie chrétienne. Tu connais ton mari, tu connais ton caractère. Quelle persécution? Mauvais caractère comme ça. Et toi, dis ces persécutions. Ce matin, je profite de vous parler. Ça ne vous servira à rien.
Ça ne vous servira à rien. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Ça, cette parenthèse de ce mois-là, si tu écoutes attentivement, malgré parfois les douleurs, parce que quand ta peau a une plaie, quand on met alcool, ça brûle. Quand ta peau n'a pas de plaie, quand on met l'alcool, ça rafraîchit. Alors, si actuellement, Dieu te parle, et dans le mois-là, il faut dire à Dieu, parle-moi. Je vais être guéri totalement. Je vais sortir de cette chose-là dans laquelle je suis depuis des années. Ça ne me donne rien, mais tout le temps, ça me fait tourner en rond. Ça doit être ta prière actuellement. Parce que c'est pourquoi tu as permis qu'on suspende les dons pour lesquels j'étais déjà passionné. Je voulais ces dons-là pour montrer que moi aussi je suis quelqu'un. Ah, mais je ne suis pas content. Tu viens arrêter le processus. Dieu n'a rien arrêté. C'est toi qui as arrêté. Donc, mon ami, c'est parce qu'il y en a trop que Dieu m'a dit de changer le rythme. Si tout le monde était correct là, on allait continuer. C'est parce que ça ne va pas. Dieu m'a dit, tu vois le message là, il est tombé en plein milieu. Pogum. Qu'est-ce que la crainte de Dieu vient faire en plein don spirituel? Quand tu crois que moi je suis là, je prends les messages comme ça. Moi j'entends Dieu, j'écoute Dieu. Dieu dit, la crainte de Dieu, c'est le chemin de l'amitié. Ça veut dire qu'on n'est pas sur le chemin de l'amitié. On reconnaît ça. Faut pas bouder, non, c'est tout le monde. On n'est pas dans ça. Dieu veut nous ramener pour qu'on suive. Il faut dire gloire à Dieu. Il faut dire merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Au lieu de vouloir te justifier, ça ne te servira à rien. Ce que j'ai dit ce matin-là, tu ne peux pas me dire que tu ne vis pas ça. Tu ne peux pas me dire que tu ne vis pas ça. Et si tu vis ça, tu n'es pas dans l'amitié de Dieu. Et si tu n'es pas dans l'amitié de Dieu, alors tu es bloqué. Pourquoi ne pas parler à Dieu? Là où tu es actuellement, parle à Dieu. Dis, Seigneur, je reconnais. C'est ça ma vie même. Tu es en train de décrire ma vie. Donc si tu fais ça, au fur et à mesure, Dieu va te parler, Dieu va te conduire, Dieu va te guider. Donc Dieu nous accompagne toujours dans ces choses-là. Même ça, même quand on est découragé, quand on a décidé de prendre le chemin de Dieu comme le chemin de comme Abraham, Dieu vient nous aider dans Genèse 15. Parce que Dieu a dit à Abraham de lever les yeux d'abord, de regarder les quatre points cardinaux, tout ça dans Genèse 13. Et Dieu lui donne dimension horizontale de la vision. Ensuite, Dieu lui dit de regarder la poussière de la terre et de compter la poussière de la terre. Troisièmement, maintenant, Genèse 15, là, Abraham était découragé, versets 1 à 6. Il était découragé, il était couché, il se posait des questions. Malgré tout ce que Dieu a dit là, il ne voit pas venir les choses. Alors, donc après ça, donc Dieu va parler à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ah. Abraham dit, récompense. Je ne vois pas ça venir. Dieu dit, sors encore, je sais que tu as des preuves, sors de ta maison. Abraham sortit. Il dit, mais je n'ai pas d'héritier. Donc je vais adopter Élisée de Damas. Tu dis non. Élisée de Damas est un bon serviteur. Mais ton enfant va venir. Ta postérité est là. Tu comprends? L'enfant là va naître dans ta maison, il sera ton héritier. Il dit, pour que tu saches, je t'ai donné un premier signe. Il dit, regarde à l'est, à l'ouest, nord, sud, les quatre points cardinaux, dans l'horizontale. Tout ce que tu vois dans l'horizontale, c'est pour toi. Je dis encore, baisse les yeux, regarde le sol, tu vois la poussière là, comme elle est nombreuse. Est-ce que tu peux la compter? Il dit non. Ça, c'est le quantitatif.
Donc ta posée sera aussi nombreuse que le sable de la terre. Ce n'est pas fini. Mais si tu restes là-bas, ce ne sera pas complet. Troisième chose, sors. Dans Genèse 15, là, sors. Lève les yeux. Regarde le ciel. Tu vois les étoiles? Dis oui. Ça, c'est la vision élevée. Ça, c'est la vision surnaturelle. Le sol, le sable, à l'horizon, ta vision, et maintenant le ciel. Ça veut dire que le ciel doit être dans ta... le chemin de l'amitié doit finir par le ciel. Il lève les yeux et regarde. Tu vois les étoiles, compte-les. Si tu peux les compter. Abraham a commencé à compter. À un moment donné, il a dit, Seigneur, je n'arrive pas. Dieu dit, c'est très bien. Je voulais te soumettre à ça. À partir de maintenant, les trois dimensions, le sol, l'horizon, et le ciel, seront ton partage. Abraham eut confiance en l'Éternel, que la Bible dit, Dieu lui imputa justice. C'est pourquoi, quand Jésus vient sur la terre, il raconte que ce que Abraham a vécu là, c'est vrai, c'est réel. Un jour, Jésus est un pédagogue pour montrer qu'effectivement, ce que Dieu a montré à Abraham s'est accompli. Il le prend et puis il prend un événement qui s'est passé. Il y avait deux hommes sur la terre. Un était très riche. Vraiment, il ne s'inquiétait pas de Dieu. À sa porte, il y avait un autre qui était mendiant malade. Il s'appelle Lazare. Les deux vivaient une vie vraiment totalement différente. Mais les deux vont mourir. C'est ça que je dis à tout le monde. Vous voyez bien, le riche ne pensait pas qu'il va mourir. Non, il ne pensait pas que lui, il peut mourir. Et un jour, le riche est mort. Lazare est mort. Comprends, mon ami. Donc, pense à ça. Un jour, tu ne seras pas sur la terre. Et en ce moment-là, personne ne peut te défendre. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Il ne faut pas te braquer sur ta vie avec ta femme et ton nom. C'est bien. C'est bien. C'est bien d'avoir un bon travail. Tout. Mais un jour, tu vas te trouver là devant lui. Que vas-tu lui dire? Et on voit les deux cas, c'est Jésus qui parle. Il ne peut pas mentir. Le pauvre là, ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est parti. Hein. Il obéissait à Dieu, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal. Il se trouve brusquement dans un endroit que Jésus va appeler le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. Où? Au ciel. Le riche, quand il ouvre les yeux, se trouve dans un endroit où il y a du feu, il y a la tourmente. Et puis, Dieu lui permet de regarder vers le ciel et il voit Abraham et le pauvre là. Ah non, il ne peut pas accepter. Lui, il a été riche sur la terre. L'autre a été pauvre, mendiant. Mais pourquoi il est là-haut? Il commence à parler. Abraham lui répond. Regarde le secret des trois hommes et quatre hommes. Le premier homme, c'est qui? Il s'appelle Enoch. Il marchait avec Dieu, il plut à Dieu, Dieu l'enleva. Donc il n'a jamais vu la mort. Deuxième cas, mon ami, je vais sauter avant de révéler Abraham. Deuxième cas qui a été enlevé, c'est Élie. Lui aussi, il a été enlevé, il n'a jamais vu la mort. Il est deux cas, pour comprendre, c'est un peu délicat. Deux cas. Mon frère, il y a le cas d'Abraham. Alors, quand il est mort, on le voit brusquement avec Jésus sur la montagne. On le voit, les anges discuter, le Satan discuter son corps. Satan voulait discuter le corps, parce que les anges, Gabriel, Michel, Dieu a dit de s'occuper du corps
du corps d'Abraham, du corps de Moïse, du moins. Du corps de Moïse. Parce que Moïse était entré dans l'amitié de Dieu. Il a dit, quelqu'un qui a vu ma face à face, il ne peut pas le laisser être enterré au hasard. Il ne peut pas être enlevé directement parce qu'il a commis une faute. Il a frappé le rocher alors qu'il ne devait pas le faire. À cause de ça, je ne peux pas l'enlever directement. Mais je veux lui donner une fin vraiment honorable. Donc, personne aujourd'hui ne sait où se trouve le tombeau de Moïse. Le tombeau de Moïse n'existe pas en Israël. La preuve est que dans Matthieu 17, quand Jésus amène ses disciples sur la montagne de la transfiguration et que la nuée est venue sur eux, ils ont été couverts de nuées. Quand la nuée s'est dispersée, Pierre, Jean et Jacques voient qui? Voient trois personnes. Ils ne les ont jamais vus en dehors de Jésus. Ils reconnaissent Jésus au milieu. Ils n'ont jamais vu Élie. Ils voient Élie à la droite. Ils n'ont jamais vu Moïse. Ils voient Moïse à sa gauche. Mais pourtant, ils les ont reconnus. En esprit, on reconnaît facilement. Donc, ils ont dit, ah, comment se fait-il maintenant que Moïse qui est mort, là, c'est Dieu même qui a dit à Moïse de monter sur la montagne de mourir. Comment se fait-il qu'un mort soit avec Jésus, avec un autre vivant appelé Élie? C'est le mystère du Saint d'Abraham comme ça. C'est le mystère du Saint d'Abraham. Parce que Dieu avait montré à Abraham que sa vie va affecter le ciel. Ce que Dieu dit là, il doit le faire. Mais il a sa manière de faire. Donc tu vois, c'est ça pour Moïse. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là en Israël, ils n'ont jamais vu le tombeau de Moïse. Et pourtant, il est mort. Maintenant, on laisse ça pour une autre fois. On va aller te braquer sur ça. Laisser l'évangile là. Chercher comment Moïse est mort. Voilà. Je sais que je te connais. J'aime des choses bizarres comme ça. Laisse ça tomber, mon ami. C'était pour t'éclairer. Alors, Abraham, le saint d'Abraham. Abraham parle à l'homme. Alors que c'est interdit qu'un mort parle à un vivant, qu'un vivant parle à un mort. Il y a tellement de secrets dans la Bible que vous comprenez. C'est pourquoi pas parler au hasard. Pourquoi? Si on regarde ce que Dieu a fait avec Abraham là, il est rentré dans l'amitié de Dieu. Après que Dieu lui ait donné l'enfant Isaac, il a grandi. Et à l'âge à peu près de 33 ans, parce que Dieu a dit, donne-moi ton fils. Dieu a dit, je te donne un fils unique. Un jour, Dieu dit à Abraham, c'est très bien, tu aimes ton fils là, hein? Abraham dit, ah non, je l'aime, je suis content. Et bon, donne-moi ton fils, ton unique. Même chose que Dieu va faire plus tard. Abraham est en train d'entrer tout doucement. Mais avant d'arriver là-bas, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a rendu une visite spéciale à Abraham. Là, il faut m'écouter. Les visites divines que Dieu veut te rendre. Mais il regarde la disposition de ton cœur. Un jour, Abraham était assis sur son chêne, son arbre, il était assis là-bas. Il méditait vers 13h, 14h. Brusquement, il voit à l'horizon trois personnes qui avancent. Écoute-moi, mon ami. Il y a des choses qui se sont passées peut-être dans ta vie, tu n'as pas su. Les trois hommes là viennent. Ce sont des hommes. Mais Abraham a appris maintenant à avoir des révélations. Il regarde attentivement. Abraham dit, il ressemble à des hommes. Ils sont comme des hommes. Mais ce ne sont pas des hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, dit la Bible. Il va devant eux et il se prosterne devant l'homme du milieu. Et il appelle mon Seigneur. Il les invite pour s'arrêter et manger chez lui.
Donc, quand il s'est agenoué, l'homme du milieu ne l'a pas, du moins, se grondé. Non. Il a eu la révélation que c'est Dieu qui est là. Et les deux qui sont à côté de lui sont des anges. Il les invite. Il prépare. Il mange. Ça, c'est les visites divines. Combien de fois il t'a dit dans Hébreu de faire attention aux visites de Dieu? Les visites de Dieu peuvent venir. Tu as vu, le grand Dieu Jéhovah vient comme un homme, avec deux anges sous la forme d'un homme. Il t'a dit que lui, il aime visiter ses enfants. Mais il ne vient pas les visiter. S'il vient en tant que Dieu, la terre ne peut pas même pas remplir ça. Il dit qu'il vient. Et par quel moyen? Par le moyen de l'hospitalité. Mais tu ne pratiques pas l'hospitalité. Je ne comprends pas pourquoi un chrétien ne reçoit pas des gens chez lui. Parce qu'il a mis des carreaux, il a mis dans ses choses des bibelots, des biberons, il a mis ceci ou cela, il a acheté ça en Corée du Sud, en Corée du centre-ouest, il a amené ça de la Chine orientale. À cause des bêtises comme ça, tu ne reçois pas les gens chez toi. Aujourd'hui, pas que tu es en train de manger seul. Oui. Merci beaucoup, mon ami. Tu comprends? Je dis quel est le moyen pour recevoir des anges chez toi, pour le recevoir lui-même, c'est l'hospitalité. Recevoir des gens. Ils viendront sous forme d'un ange, ils viendront sous forme peut-être de mendiant, ils viendront ça. Non, non, non. Toi, tu veux inviter ton patron seulement. Ton patron va te donner quoi? Tu veux inviter seulement ceux qui sont bien. Invite les voisins. Invite. C'est ça. Les chrétiens font toujours ce qu'ils ne doivent pas faire et ils veulent prier. Ils croient que la prière peut résoudre. Abraham a prié ici pour que Dieu vienne le visiter. Est-ce qu'Abraham a appelé Dieu pour venir le visiter? Non. Et c'est dans ce moment de visite-là que Dieu ouvre la bouche et dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque-là, tu vas tenir Isaac dans ta main. Et sa femme a dit, mais je suis vieille, mon mari est vieux, comment on peut avoir Isaac? Elle a ri. Elle n'était pas là, elle était à la cuisine. Mais Dieu avait donné d'eau à sa femme. Dieu dit à Abraham qui est devant lui là, pourquoi ta femme l'a ri? Sarah a menti qu'elle n'a pas ri. C'est dans ça là, pour ne pas te retenir longtemps, que quand ils ont fini de manger, Dieu dit on s'en va. Les deux anges l'ont précédé. Regarde comment Dieu va avec un homme. On dirait, toi tu penses que tu es en train de rêver. Tu n'es pas en train de rêver? C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça que Dieu veut faire avec toi. L'amitié de Dieu va comme ça, doucement, point par point. S'il vous plaît, n'allez pas chercher les bénédictions pour bénédictions. Cherchez l'amitié de Dieu. Collez-vous à ça. Et vous allez voir les grandes choses qu'il va faire. Quand il essaie Dieu maintenant, Dieu dit, Abraham l'accompagne. Quoi? Abraham accompagne son visiteur. Quand ils allaient dans un endroit, loin de Sarah, loin de tout, Dieu dit, il se parle à lui-même. Ça veut dire que Dieu parle selon le conseil de sa... Le conseil de sa volonté. Il parle à lui-même. Il dit, mais est-ce que je vais cacher tout ce que je veux faire à mon ami Abraham là? Il est rentré dans une dimension... Et je veux faire de lui un de mes conseillers sur terre. Tu comprends? Et je vais cacher. Et il commence il a nommé Abraham, il a établi, et puis il commence les causeries. Il dit, mon ami, pas son, d'abord l'ami, mon conseiller là, qu'est-ce que toi tu penses?
La ville de Sodome, là, ils ont trop mal parlé, ils vivent mal. C'est pourquoi je suis descendu pour les détruire. Mais comme toi, là, je vois, il n'a pas dit directement, on dirait que tu as ton parent là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve tant de justes. Donc, Abraham dit, mon petit neveu est là-bas. Et puis qu'il est parti là, il n'a pas eu de bonnes nouvelles de lui. On m'a dit qu'il est devenu maintenant un ancien parmi les anciens de Sodome et Gomorre. Il dit, bon, Seigneur, si tu trouves tant de justes là, Dieu dit, moi, voilà. Maintenant, Jean 15 là qui est en train de s'accomplir, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, il n'y a pas de problème. Ce que tu demandes là, tu le fais. Donc, les choses ont commencé. Commencé. Parce que j'arrive à 10 personnes. Dieu a. Attends. C'est ça. Tu peux influencer les décisions de Dieu. Ça, c'est pas la prière. Parce que Dieu t'écoute. Et qu'est-ce que Dieu veut? Ça là, c'est quoi? C'est parti avant d'arriver à l'ami de Dieu là. C'est quoi? C'est ça, le conseil secret de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Je ne faut plus m'appeler père de la francophonie. Je n'ai plus rien à faire dans ça. Le conseil secret de Dieu. Dieu vient te confier les fardeaux de son cœur. Dieu vient te dire ce qu'il veut faire à cette personne, à cette nation-là. Ce qu'il veut faire à telle chose. C'est un secret entre toi et Dieu. Tu ne peux même pas en parler à ta femme, tu ne peux en parler à ton mari, parce que tu es dans le conseil secret de Dieu. Tu es dans une loi un peu comme la loi du silence des autres là, mais ce n'est pas négatif. Et il te révèle des choses. De temps en temps, il te permet de les dire une minute ou deux minutes. Il dit, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire à Sodome et Gomorre là, à Abraham? Abraham va devenir mon ami. Il n'est pas dans mon amitié encore, mais il va le devenir. Il a dit non, à lui-même. Il a commencé à discuter. Ce qu'Abraham arrête, que s'il y a 10 personnes, tu dis, tu es sûr qu'il y a 10 personnes? Ah, il dit quand même. Lot, sa femme, ça fait 2. On m'a dit qu'ils ont 2 filles, ça fait 4. Et les filles sont mariées, ça fait combien? 6. C'est ça. Ils ont eu des enfants, non? Donc ça doit suffire. Dieu dit, c'est sûr. Et oui, non, il est sûr. Mais il est dit, quand ils ont fini de causer, l'Éternel se leva et partit. Regardez. Chrétienne. À un moment donné, tu rentres dans ce conseil secret de Dieu. Et quand Dieu te parle, tu as une assurance. Au moins les gens s'agitent. Toi, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Sais que ce que tu vas dire là, ça va s'accomplir. Tu sais que Dieu utilise ta bouche pour parler aux gens, pour parler aux nations. Et les gens ne croient pas. Non, c'est la bouche d'Abraham qui devait sauver Lot. Il va sauver Lot. Mais comme Dieu est venu, il n'a pas trouvé 10 personnes. Il dit, bon, je vais quand même sauver Lot en posant une condition. Mais la femme de Lot ne croyait pas, parce que Lot n'a jamais parlé à sa femme des réalités spirituelles. C'est pourquoi sa femme est devenue du sel. Dernière étape, on arrive à Abraham, plus loin. On arrive à Abraham maintenant, dans Genèse 22. 22.
On va regarder là-bas. Verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez bien? Ah, voilà l'épreuve de l'amitié. Il met Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et Abraham répondit, me voici. Il ne répond pas comme les femmes arrivent. J'arrive. 10 minutes encore. J'arrive. Je t'ai dit que j'arrive. Ça, c'est toutes les femmes, hein. Voilà. C'est pas mauvais. Non, il n'y a rien de mauvais. Non, dans ce passage-là, donc, me voici. Tu lui dis, la suite là, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Ah, l'amitié de Dieu a un prix. C'est lui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. C'est un homme, il s'appelle Isaac. Toi, ça peut ne pas être un homme. Il y a quelque chose que tu aimes. Il y a une circonstance que tu aimes. Tu n'es pas prêt. Donc, mon frère a livré ça. Pas Satan. Dieu même qui te met à l'épreuve. Tu comprends? Laisse mon verset tranquille, on va continuer. Va. La suite du verset dit quoi? Et Abraham se leva de bon matin. Mais vous croyez que si Dieu avait dit ça à Abraham il y a 20 ans en arrière, il allait accepter? Non, il est passé par les étapes. On n'entre pas dans l'amitié de Dieu les pieds joints comme ça. Faut même pas rêver à ça tant que tu ne vas pas de l'avant. Tu comprends? Il scella son âne. Il a pris deux serviteurs. Il a pris du bois et tout pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Donc, sur la route là, donc il s'arrête à un moment donné. Il dit à ses deux serviteurs là, il leur dit simplement, arrêtez-vous ici. Vous ne pouvez pas aller là où je dois aller. Vous n'avez pas la capacité de supporter ce qui va se passer. Vous allez troubler le programme de Dieu. Arrêtez-vous là. Le jeune homme et moi, nous allons continuer. Et après avoir adoré Dieu, nous allons révéler. Ah, c'est ça l'adoration? Oui. C'est pas lever les bras chanter? Non. C'est pas danser? Non. Ah bon? C'est ça l'adoration? Oui. Parce qu'on adore Dieu. On adore Dieu toujours avec des sacrifices, des holocaustes. Mais adoration gratuite là. Lever les bras, se coucher là. Ça, c'est adoration gratuite. Ça n'a aucun effet sur le ciel. Aucun effet. Mon ami, mon frère, c'est important que tu comprennes. Alors, ils sont montés. Maintenant, c'est le fils et lui. Isaac avait à peu près 33 ans comme Jésus. Tu comprends? Donne-moi ton fils. Pas un petit. Va de Genèse 18 jusqu'à Genèse où on est en train de lire là. On voit qu'Abraham a grandi, Isaac a grandi. Il est un jeune homme. Son fils, son unique, ça veut dire qu'il avait 33 ans comme Jésus quand Dieu va donner son fils aussi. Parce qu'Abraham a donné son fils. Donc Dieu va donner son fils comme un sacrifice aussi, comme un holocauste.
que les gens rentrent dans son amitié. En ce moment-là, mon frère, quand il est monté, il a simplement dit à son fils, va bâtir l'hôtel. Ils ont bâti l'hôtel. Le fils n'est pas bête, mais il a vu la vie de son père. Ça, c'est la partie importante. Il a vu la vie de son père. Il sait que quelqu'un doit être le sacrifice. Il a posé la question au départ. Papa, voilà le feu. Voilà le bois. Voilà le couteau. Où est le sacrifice? Abraham répond, Dieu se pourvoira lui-même. Ne t'inquiète pas, Dieu se pourvoit. Dieu est un pourvoyeur. Regarde le Père, il n'a pas de peur. Le Fils, il n'a pas de peur. Ils ont marché ensemble. Ils ont obéi. C'est l'obéissance qui va les amener à faire toujours l'obéissance, même si c'est l'obéissance sacrificielle. L'intimité avec le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement au début comme ça, quand ça vient sur toi, tu trembles. Ça, ce n'est pas l'intimité. Non, mon frère. L'intimité te demande quelque chose de spécial. Et quand il a fini de faire l'autel, il a dit à son fils, Abraham n'a plus 100 ans. Hein? C'est un vieillard qui a arrêté. Il dit à son fils, le temps est arrivé. Tu comprends? Le temps est arrivé. Couche-toi. Le fils se couche. Le fils peut prendre son papa là, le casser en deux. Tout le ciel est debout. Papa bon Dieu est debout. Tout le monde est debout. Est-ce qu'il va oser? Est-ce qu'on a trouvé sur la terre un homme qui va oser faire ce que Dieu a dit? Les anges regardent. Tout le monde est étonné. Et il voit Abraham lever son couteau. Sa main tremblotant, le papa descend de couteau, il descend de couteau sur la gorge de son fils. Le dernier coup, il doit poignarder son fils. Il voit retentir du ciel. Ah non, c'est pas possible. Dieu l'appelle des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Qu'est-ce qu'il continue? L'ange, quand on dit l'ange, ce n'est pas un ange, c'est toujours, quand on dit l'éternel, c'est toujours Dieu. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. La première expression de craindre Dieu vient d'ici. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La crainte de Dieu fait que ce que Dieu t'a dit de faire là, tu ne vas pas refuser, tu vas donner. Qu'est-ce que tu es en train de lutter avec Dieu depuis des années? Et tu vas mourir. Toi, tu vas oser fermer les yeux un jour devant Dieu, croyant que tu pars chez Dieu, alors que Dieu t'a demandé certaines choses de les faire. Et tu ne l'as pas fait. Et tu penses qu'en fermant les yeux, tu vas le voir. Je sais maintenant. Tu dis, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé. Qu'est-ce que Dieu te demande même? Tu n'es même pas arrivé dans le conseil secret là. Tu es encore disciple. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé que tu ne fais même pas déjà? Quelle est la lutte que tu mènes actuellement aujourd'hui? Donc, pour ce mois d'avril, tu es en train de lutter avec quoi? Avec des choses matérielles
Là où tu travailles là, c'est que ce n'est pas bien pour les gens. C'est qu'il y a le travail n'est pas bien. Mais pour quitter là-bas là, c'est tout un problème. Regarde. Tu es en train d'aller vers le mariage. Jeune fille, tu sais que l'homme là n'est pas ton mari. Je sais bien. Mais parce que tu dis qu'il a une position, tu n'as pas vu des gens avec position assassiner leurs femmes? Tu n'as pas entendu ça au Burkina? Tu n'as pas vu des gens avec des positions de l'argent? La femme est devenue comme un animal entre leurs mains? Dieu t'a parlé de plusieurs manières. Tu n'es même pas arrivé au niveau même de bon disciple. Non, 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 tu veux te marier coûte que coûte. On ne se marie pas coûte que coûte. Tu vas gâcher ta fille. Est-ce que tu commences à développer la crainte de Dieu? Toi, tu veux investir dans tel projet. Tu vois que ça ne va pas. Mais tes amis t'ont dit d'investir. Est venu faire. Ils t'ont dit que même tes amis banquiers ont dit que non, c'est bancable. Regarde le compte d'exploitation prévisionnelle. Sur le même temps d'années, tant. Regarde les résultats, regarde tout ça là. Les cash flow. On t'a dit les mots français, anglais, cash flow, cash. Et c'est sur ça que tu te bases. Tu es à quel niveau? La crainte de Dieu. Ce matin, s'il pouvait me donner quelques avantages de la crainte de Dieu, tu vas comprendre, on va terminer par là. On va ouvrir technicien dans Proverbe 1. On va les citer sans les commenter. Si tu sais quels sont les avantages et les bénéfices de la crainte de Dieu, tu vas changer. Proverbe 1, verset 7. Si on peut avoir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lui, seconde. Quelle science? Quitte là-bas. C'est le commencement de la sagesse. Les insensés, ouais, bien, méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, toi qui es là, ici, ou à la télé, on te note ça là, va méditer ça simplement. Simplement ces versets-là. Verset 7. Et au verset 22, il dit, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Ça, c'est une autre version. La version quoi? Parole, je ne sais pas quelle. Hein? Lui, second 21. Et lui, second 24. Bon, ok. Donc, voilà, tu vois tout ça là. Seuls les imbéciles. Aïe! On dit papa Karambi parle mal. On a dit ici, seuls les imbéciles. Ce n'est pas moi celui qui parle mal, même la Bible parle mal. Il n'a jamais vu ça là. La première fois que je vois, je vais acheter cette Bible là. Elle correspond à mon chose un peu. Ok. Verset 29. 29 maintenant, on est Proverbe 1, 29. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils ont haï la science, la sagesse, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Tu vois, il répète deux fois. Regarde la suite. Il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience. Non. Continue. Ils ont eu des problèmes à cause du fait qu'ils ont refusé. Ils ont fait des choses. Donc tu vois les conséquences. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alors, Proverbe 8.
8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Dieu qui parle. Donc, note tout ça là, va t'asseoir et lire. Si tu joues avec ça, tu joues avec ta vie et ton futur. On va sauter, aller au Proverbe 10, verset 27. On a déjà étudié tout ça dans le livre de Proverbes il y a 2 ans. La crainte de l'Éternel, les gars, augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Regarde ce que la Bible dit. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas Satan qui tue les gens. Ce n'est pas les sorciers. On dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais celui qui refuse la crainte de l'Éternel, là, les jours sont abrégés. Tu crois la Bible? Tu crois? Si tu ne crois pas, tu ne crois pas, mais ça va s'exécuter. Les jours seront abrégés. Ensuite, Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner les pièges de la mort, crains Dieu. Donc, la mort a des pièges sur la route. Il n'y a que la crainte de Dieu qui te fait échapper à ça. Proverbe 19, verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Les gens disent, ah, Satan, tu ne crains pas Dieu. Tu te couches. Tu seras visité par les mauvais esprits. C'est ce que ça dit ici. Pas le malheur. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même. Tu comprends? Les versions sont là. 22, verset 4. On va terminer là. Il y en a des dizaines dans l'huile. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie, pas la prière. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? La richesse, la gloire et la vie. C'est pas la prière. C'est pas l'onction. Non. Non. C'est la crainte de Dieu et le fruit de l'humilité. Et ces versets-là, que tu médites. Il y en a plein. Va prendre une concordance. Quand Salomon a commencé à ne plus craindre Dieu, tout le monde savait qu'il va terminer mal. Quand Samson a refusé de mettre la crainte de Dieu dans sa vie, tout le monde savait qu'il va terminer mal. Donc mon frère, ma soeur, la crainte de l'Éternel que je viens te présenter ce matin-là, c'est très très important. Réfléchis toi-même. Regarde. Ne cherche pas à aller. Ce n'est pas ma parole. Ça me concerne, ça te concerne. Je ne suis pas venu te prêcher à toi. Je suis venu nous prêcher. Donc, si tu es sage, tu prends ça, tu médites et tu vas voir que la crainte de l'Éternel, là, ça fait du bien. Et donc, c'est pourquoi il est important que nous puissions aller de l'avant, puissions progresser, nous puissions dire à Dieu, Seigneur, me voici moi aussi. C'est le temps de commencer à baisser la tête. On va terminer avec un chant de consécration.
On va préparer que tout genou fléchisse d'abord. On va pas. Donc, mais pour le moment, rentre en toi une ou deux minutes. Ne te préoccupe pas du sac, de la Bible, comment tu dois poser. Préoccupe-toi de ton corps et ton cœur. Ton cœur est plus important que ton sac, même s'il a été acheté à 55 000 francs. C'est pas, voilà. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu là-dedans? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Si tu veux mieux comprendre, tu vas prendre le livre des Proverbes et tu vas chercher toutes les expressions de la crainte de Dieu et d'autres passages. Tu vas comprendre que l'un de tes problèmes majeurs, c'est le manque de crainte de l'Éternel. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est pas parce que tu ne pries pas beaucoup. Non, c'est le manque de crainte de l'Éternel. Tu ne crains pas Dieu. À cause de ça, alors la richesse refuse de te suivre. La gloire refuse. Il refuse carrément. Et nous, on ne suit pas des gens. Ils méprisent notre source. Nous, richesses, ne sont pas venues de nous-mêmes. Nous venons de Dieu. Moi, gloire, je ne viens pas de moi-même. Je viens de Dieu. Alors que toi, tu ne crains pas ce Dieu-là. Je ne peux pas te suivre. Tu as beau prier, jeûner, je ne peux pas te suivre. Alors, regarde en toi-même. Regarde. Ne joue pas le message. Ce n'est que le premier message du mois. Et chaque semaine, on va ajouter et passer par des ateliers pratiques. Comme ça, si on a fini, on sait qu'on a résolu le problème, l'obstacle le plus grand. Maintenant, on va reprendre au mois de mai avec le séminaire de Pentecôte, en revenant sur les autres éléments du Saint-Esprit. Mais ce mois-là, nous voulons l'intimité du Saint-Esprit en commençant par la crainte de Dieu. Donc, mon ami, tu as parlé, parle à Dieu. Ce n'est pas à moi de te conduire. Hein? Moi aussi, je suis concerné. C'est une affaire entre toi et Dieu. Parle-lui. Ne te tais pas. Parle-lui et ne te tais pas. Parle-lui et ne te tais pas. Dis-lui que désormais tu vas apprendre à le craindre. Que tu n'as pas compris l'importance de la crainte de Dieu. Maintenant que tu as commencé à comprendre avec la vie d'Abraham, qui est au Père Céleste. Je suis de la postérité d'Abraham. Je vais marcher comme lui. Parce qu'en Christ, tu m'as délivré de la malédiction générationnelle en Abraham. Et tu m'as introduit dans la maison du Père. Et à partir de là, je vais développer la crainte de Dieu. Comme Joseph l'a développé. Comme Abraham même l'a développé. Père, merci parce que tu m'as entendu et tu sais que j'étais ignorante là-dedans. Alors à partir de maintenant, conduis-moi simplement afin que je développe cela et que je glorifie ton nom. Merci Père. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous avons...